Et bonjour à tous, c'est Brian, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur sur tout ce que j'ai acheté pour le feu d'artifice. Voilà, tout ce que j'ai acheté pour le 14 juillet plutôt, c'est mieux. Alors, on va commencer par le décibel. Alors, que voici. Attendez. Alors. Voilà. Le décibel. De chez Hardy. Alors, il a 7 détonations. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est du K2. De toute façon, je l'ai déjà présenté sur ma chaîne. Pour, vous pouvez aller voir dans les précédentes vidéos de feu d'artifice. Puis après, bon, ils disent pas grand-chose. K2, ouais. 33 grammes de manière active. Et bah là, on peut rien voir. Donc voilà. Un petit, c'est bien. De toute façon, je l'ai arraché parce qu'il était hyper bien. Je trouvais que donnait. Donc, on va le mettre à côté. Après, ça non. À la fin. Voilà, bon, c'est un petit truc des petits fumigènes. Attendez, je fais la mise au point quand même. Ce sera bien. Balle fumigène, bon, c'est du cas. Hein. En gros, c'est des petits trucs parce que je voulais acheter des grosses fumigènes qui durent une minute et tout, sauf que on n'avait pas. Donc, j'ai acheté des petites. Il y a des verres. Je sais pas si c'est orange ou rouge. Des jaunes aussi. Et puis voilà. Et voilà. Donc. Après. Des corsaires. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, Corsair numéro 5. Désolé parce que la caméra elle est un peu mal réglée, j'ai vu ça. Attendez. Non, l'autre sens. Voilà, merci. Voilà, Corsair numéro 5. Alors il n'y avait plus de bison 6. Il y a 3 pétards à l'intérieur. Donc c'était le plus gros qu'ils avaient, donc j'ai pris ça. C'est du 4-3. Et puis bah ils disent pas grand chose. 29 grammes je pense de manière active, on dirait. Manière active, ouais, c'est vite ça, 29 grammes. Voilà, je vous montre l'arrière. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais c'est pas grave. C'est que l'arrière, on s'en fout. Et après, voilà le. Comment ça s'appelle ça ? Le. Porky Pio. Ouais, je sais pas trop comment ça se prononce ça. Le Porky Pig. Porky Pig. Voilà ce que ça. Voilà ce que c'est. Parti Pig. Je vous présente un peu tout. Voilà. Alors désolé, il n'y a pas beaucoup de lumière. C'est vrai que c'est un peu chiant. C'est 16 coups. Il dure 20 secondes. Et
hauteur d'effet c'est 35 mètres et les mortiers intérieurs c'est des 20 mm. Voilà. Après, je voulais dire les caractéristiques, voilà, c'était ça. Alors, c'est du K2, oh, bizarre. K2, ouais, ils disent pas grand chose encore. Porky Pig, ouais, c'était bien ça. Ah putain, j'ai mal aux jambes. Après. Bah voilà, ils disent pas grand chose, hein, franchement. On va l'ouvrir pour voir. Je sais pas si, si ça s'ouvre. De toute façon, c'est sûr que ça s'ouvre. Ah, voilà. Voilà, comment c'est. D'ailleurs, ça, il faut l'ouvrir avant ou pas? Bah oui, quand même. Ouais, parce que trop... Oui, ça va traverser le carton, mais oui, il faut mieux l'ouvrir. Il faut mieux, je pense, ouvrir avant. Je pense que c'est une bonne idée. Et bah voilà, alors après ce que j'ai présenté c'est avec un ami, il m'a, quand je suis allé avec lui du coup il m'a passé tout ce qu'il a acheté, comme ça je présenterai, et comme ça je présente aussi en vidéo. Donc on se retrouve tout de suite. Alors me revoilà. Oh désolé pour le bruit. Qu'est-ce que je vais prendre avant? Alors on passe ça. Ouais, ça. Alors, il a acheté Storm Reader. Oh, désolé, je casse un peu la lumière. Je sais pas si vous voyez bien quand même. C'est vrai qu'il fait pas très beau dehors et tout, donc il n'y a pas de lumière. Qui rentre, il y a très peu de lumière. Ouais, vous voyez, presque que dalle, quoi. Abusé. Alors, ils disent quoi là-dessus? Hier, ils disent c'est du K2. Il dure 20 secondes. Hauteur d'effet 15 mètres. Oh, ils disent un nuage, ouais, ok. De grammes à peu près de manière active, qui a, et ça vient de chez Weco. Bon, il y a des trucs, c'est façon, c'est Weco, Hardy, Corsair, et c'est tout. Il n'y a pas autre chose, de façon. Donc voilà. Ouais, bon, ils disent rien d'autre dessus. Après, bon, il a pas acheté grand chose, mais c'est des gros trucs. Alors bon, bah là il y a un problème. Vous voyez la fontaine là? Elle fait tout ça. Donc c'est une, c'est quoi ça? C'est Top Gun 2210, je veux dire. Top Gun 210. Alors, durée environ 50 secondes. Je sais pas si, je sais pas si vous voyez très bien. Je pense que je prendrai aussi des photos parce que franchement, vous verrez que dalle. Ils vendent avec, c'est un truc en ferraille pour le mettre dans le sol, pour pas que ça bouge. C'est largement mieux. Alors, catégorie 2, ok. Matière active environ 87 grammes. Puis bah, la hauteur, ils disent vraiment. Hauteur de 25 mètres, de 50 secondes, ça je l'ai dit. Ouais, ça a l'air d'être bon. C'est bon. Alors,
Après, il nous reste le dernier truc qu'il a acheté. Alors, il a acheté le Kilimanjaro, toujours plus haut de chez Hardy, article d'extérieur. Voilà. Je sais pas si vous voyez grand chose, mais... Alors, qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Alors, ils disent altitude des effets 53 mètres. Vache, zo. Secondes, il dure. Après, niveau matière active et tout, c'est marqué. Non, il n'y a rien. Oh, ça va être marqué, mais. Ça va être marqué quelque part, quand même. Catégorie 2. Ok. Ah, matière active 184 grammes. Ok. Et ils disent du K2. Ouais, bon, c'est bizarre leur truc quand même. Ils disent toujours K2, mais bon. Je ne comprends pas trop. Alors voilà. Et c'est tout. Il a acheté que ça, mais franchement, ouais, ça vaut quand même cher. Et puis, ça doit être pas mal. Donc voilà, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Que je testerai. J'essaierai de mettre en vidéo. Tout ce que j'ai fait et tout. Voilà. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut !